Mes chers amis, bonjour, on se retrouve pour une vidéo fort sympathique. Comme à son habitude, je vous présente aujourd'hui un site assez surprenant. Il s'appelle Clash of Clans Forecaster.com. Voilà, il s'agit d'un site de simulation statistique par rapport aux joueurs connectés, non connectés, à travers le monde, par pays, et surtout une répartition du butin sur une plage horaire, voilà, de 24 heures. On a une belle courbe, magnifique. Le but de cette courbe, eh ben, c'est de vous dire là où il y a du butin, là où il y en a moins, et par pays, tout simplement, voilà, j'ai vous dire autre chose, non, par pays, par player online, offline, voilà, les balances, les productions à la minute, le consommé, bref, ça se passe. Il y a des critères qui ont été pris en ligne de compte par l'auteur. Il s'agit de simulations, de statistiques. Il ne s'agit pas de données réelles, effectives, tapant en temps réel dans la base de données de Clash of Clans. Non, c'est pas tout à fait comme on a pu le voir sur warclan.com. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur ce site, j'invite les personnes intéressées à aller checker ce site qui est très très intéressant dans un autre registre. Celui-ci, le critère principal intéressant pour nous, c'est de savoir quand est-ce qu'il est bon de farmer, quand est-ce qu'il y a vent favorable, quand est-ce que la météo est bonne pour trouver du butin. Et je ne suis pas surpris, en tout cas, de voir cette courbe, de voir que le matin, pour nous français, entre 8h et 10h30, et qu'à partir de 11h, ça commence un petit peu à descendre, le farm est très bon, que l'après-midi, c'est pas terrible, et que le soir, c'est à nouveau bon. Sauf que j'imaginais pour ma part que le soir à partir d'une certaine heure tardive comme 1h du matin, là il y a un petit creux, un léger creux, pas très bas mais quand même, je pensais qu'au contraire c'était beaucoup mieux. Et de l'expérience personnelle, il me semble aussi que à minuit, 1h, 2h, on rentre dans des zones assez favorables en farm. Dites-moi vous aussi ce que vous ressentez par rapport à ces chiffres. En tout cas c'est très intéressant. L'auteur s'est basé sur des communiqués de presse. On va pas la refaire la vidéo parce que je lui dis franchement, ça fait 3 fois que je la refais. Hein. Donc des communiqués de presse avec des informations concernant les téléchargements globaux, le nombre d'utilisateurs, le nombre d'utilisateurs global qui a communiqué Clash of Clans, enfin Supercell. Il y a aussi des informations qu'il a pu regrouper par pays. Et à travers toutes ces infos factuelles qu'il a pu regrouper, il avait formulé des simulations, un algorithme de simulation par rapport au comportement des utilisateurs lorsqu'ils se connectent, le fait que généralement peut-être que 900 personnes sur 9 sur 1000 vont récolter d'abord leurs extracteurs et les mettre dans les réserves, puis après faire une attaque, etc. Et en fonction de tous ces paramètres, il a pu faire un tas de calculs assez savants dont on n'a pas la formule, mais on peut lui demander tout ça par mail pour simuler les joueurs actifs, pas actifs, par horaire, les butins qui circulent, les montants, etc., etc., etc. Bref, nous, le détail technique, c'est pas trop ça, j'ai envie de dire, l'intéressant. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre effectivement comment ça fonctionne. Et finalement, comment ça fonctionne. En tout cas, le fait qu'on va trouver plus de butins le matin et le soir. Et pourquoi? Eh ben, en fait, on voit bien par rapport à la répartition des players dans le monde, les Chinois, les Américains qui ont des horaires où ils vont être offline, où nous, dans ces moments-là, on va être online, et qu'eux, ils sont très nombreux, donc du coup, beaucoup de loot à prendre à ce moment-là pour nous. Et voilà, et tout s'explique comme ça. Et on voit que la France, elle aussi, est pas mal placée. Après, Chine et États-Unis, si on prend tous les États-Unis, d'ailleurs, même ça a été divisé en plusieurs zones horaires, Eastern Time, Central Time, Pacific Time, donc Est, Centre, Ouest, etc. Et la France est plutôt bien placée avec son nombre de joueurs global. Hein, quand on prend le million plus, ouais, 1,2 million quasiment, là, je pense à peu près, si on prend les online et offline. C'est assez intéressant. Ce qu'on pourrait demander à l'auteur, et chose que je ferais, c'est de voir s'il est possible, s'il a moyen de... Pas, du moyen ou d'une autre, par lui-même ou par peut-être justement ceux qui, comme warclan.com, arrivent à aller taper des données réelles, s'il peut pas répartir les butins par zone de trophée à ce moment-là, il pourrait être intéressant, il me semble, à mon sens, de pouvoir détecter lorsque du butin est disponible, mais dispatcher, de le ventiler par zone de trophée, peut-être qu'on s'apercevra que de telle heure à telle heure, il est plus intéressant d'aller dans telle zone, et de telle heure plutôt dans une autre zone. Je sais pas si ce que je dis tient la route, ou tout simplement si les joueurs actifs, ils sont plus ou moins tous en...
Enfin, tout est réparti de manière homogène et que on en a autant dans chaque zone et que c'est finalement le nombre de players global par pays qui compte et pas forcément, il n'y a pas forcément une répartition plus déséquilibrée par zone de trophée. À voir, mais voilà, ce serait peut-être des critères qui pourraient nous aider à mieux farm. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les bonnes zones, les bons horaires pour farmer, ben là vous avez une courbe assez fiable. Voilà, comme je vous ai dit avant, quelques petits doutes peut-être sur les zones très tardives en France, c'est-à-dire les minuit de 1h, 2h, 3h, 4h du matin, où là ça paraît pas exceptionnel d'après son indice. Il y a un petit indice en haut à gauche qui va de 1 à 10. Plus il est élevé, plus il y a de loot disponible, plus il y a de butin disponible. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à le faire à l'auteur ou ici en commentaire, qu'on voit un petit peu votre avis. Et voilà, j'espère que ce petit site vous plaira et que ces chiffres sont assez intéressants. Et que pour ceux qui ne connaissaient pas les bonnes zones, les bons moments pour farm, bah là vous avez une belle courbe qui vous indiquera comment optimiser votre temps de farm. N'oubliez pas de liker ces vidéos si vous avez apprécié ce contenu. Et moi je vous dis à très vite. Ciao ciao!